Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la playroom sur l'épisode de Fallout 4. Donc chers amis, j'ai installé quelques mods, j'espère qu'il va pas, si forcément il va me le dire. Voilà, il me le dit. On part. Alors j'ai installé quelques mods, c'est pour déjà d'une illustrer un petit peu mes propos des deux précédentes vidéos vis-à-vis des mods. Et aussi donc forcément bah tout simplement le fun. En l'occurrence, j'ai installé le fameux CBBE, le Kalion Buddy, machin pour quoi là, qui est à la base un nude mode. Je le précise, à la base. Cependant, c'est un nude mode intelligent parce que ce nude mode en fait n'est pas vraiment en soi un nude mode, c'est surtout la capacité de de modifier tout simplement les corps, que ce soit les corps masculins ou féminins. Bon, forcément, le jeu vidéo étant un monde connu pour son univers très garçon, entre guillemets, on va s'arrêter là. C'est principalement les corps féminins qui sont modifiés. Bref, là n'est pas la question. Ce mode intelligent, pourquoi intelligent? Parce qu'il propose, tout simplement... J'espère, j'entends... J'ai pas beaucoup de son, c'est marrant. Si? Nick, on reprend. Ah si, c'est bon. Parce qu'il propose simplement de ne pas être un nude mode, mais simplement une amélioration des corps. Kanigo a trouvé quelque chose. Ah oui, il y avait une... Elle est là-bas, regardez. Y'a rien là-dedans. Oh, c'est dommage. Bon, allons chercher le corps. Je suggère qu'on bouge, oui, tu m'étonnes. C'est Right Leg, dommage, je l'ai déjà. Ok. Chien féroce dominant, cabot sauvage légendaire. Ah, ils sont atrocement laids. Quelqu'un approche. Il y a un légendaire dans le coin. Bonne manière de Hop les Caméléon. Oui, d'accord. Donc, il y a du mouvement là-bas. Vous avez vu? Propriété privée. Ah bah oui, c'est chez notre cher fou. Ok, bon bah pourquoi pas. Au niveau des données, où est-ce qu'on en était exactement? Boston de nuit, retourne voir le temps caractère pour finir la situation. D'accord, oui, c'était effectivement les mecs du rail. Retournez voir Virgile. Oui, oui, le jeu m'avait niqué de mon arme. Ouais, c'est ça. Bah, dites-moi dans les commentaires, chers amis, si vous acceptez le fait que je puisse simplement récupérer mon arme via une commande. Est-ce que ça vous dérange ou pas? N'hésitez pas à me le dire. QG du réseau du rail, on va aller retourner les voir. Le lance-flamme est conçu spécialement pour les combats prolongés. Il inflige des dégâts d'énergie soutenus et peut réduire une cible en cendres. Bah oui, alors ça, tout est relatif. Hein. Alors. Est-ce que je peux me déplacer? Merci. Yo les copines. Je regarde si le mode est effectif ou pas. Les gens commencent à paniquer en voyant ces trucs dans le ciel. Je croyais que c'était les extraterrestres de Tom la bricole. Les extraterrestres existent vraiment? Tais-toi.
Ce dirigeable s'appelle le Pridwen et il appartient à la confrérie. J'ai pas l'impression, c'est marrant. C'est un ordre militaire parfaitement organisé et extrêmement bien équipé. Ils sont venus ici pour éliminer. Pour écouter toi. Merde. Faites passer le mot. La confrérie est notre ennemi. Aucune paix n'est possible entre nous. Thomas Bricole va élaborer un plan d'urgence pour contrer la menace de la confrérie. Nom de code, Opération Lumière Rouge. En attendant, on les surveille de près et on les tient à distance de nos opérations. Bonjour madame, je suis un chevalier de la confrérie. Vous avez reçu vos ordres de mission. Alors mettez-vous au travail. Vous n'avez pas choisi la voie de la facilité. Mais on est avec vous. Desdemona. La compartimentation des renseignements est une transition difficile à opérer pour les nouveaux agents. Il me saoule. Si Deacon dit vrai, je place beaucoup d'espoir en vous. Je suis censé venir te parler. Ah non, c'est pas toi que je suis censé venir parler, je croyais. Il y en a vraiment qui sortent à toute heure. J'imagine que les soucis de H22 ont été résolus. Bien sûr, mais il y a encore fort à faire. Depuis la perte du standard, nous sommes sans nouvelles de deux de nos repères. Je veux que vous alliez vérifier, Augusta. Je m'en occupe. Je m'en charge. Vous trouverez les détails dans la boîte aux lettres mortes. Faites attention. Il y a de fortes chances que... Mais non, c'est jamais très dangereux. Bon. On va pouvoir enfin retourner à Sanctuary. Ah, oh, vache. Hop. Normalement, je peux partir de là en plus. C'est génial. Hop, Sanctuary. On voit qu'il tire un petit peu la gueule à Sanctuary. Hein. De toute façon, je pense qu'on les bougera tous. Mais j'attends qu'il y ait... Enfin... Moi, ce que j'aimerais, chers amis, c'est qu'un mod me permette, par exemple, de télécharger une ville, une mini-ville, entre guillemets, directement, et de pouvoir y emmener tous mes bonhommes, plutôt d'avoir à la construire. Compte tenu de l'état actuel du système de construction de ce jeu, je préférerais trouver un truc classe, que d'autres joueurs ont fait, que de me faire chier à faire un truc qui ne sera pas aussi classe parce que je suis limité de par et le bug, et bah, tout simplement ce que me permet de faire le jeu. Que de trouver un truc où je me ferais chier. Vous savez quoi? Depuis notre conversation, je me sens en pleine forme. Nous deux, à Sanctuary, pareil pour l'avenir. T'as une sale gueule. Voilà, c'est dit. Alors, Weapons Crafting Bench. Normalement, j'ai quelque chose ici. Backpack Crafting Bench. Ah bah, je peux en faire un normalement, backpack. I'm the wanderer. Ouais, bon, bah, tant pis. De toute façon, j'ai un paquet de poches sur moi. Je préfère les poches, remarque. Elles sont plus stylées, mais elles sont pas de la bonne couleur. Hein. Toujours pas. Hein. Au niveau de... C'est la X01. Ouais, j'ai toujours pas de casque. Ils m'ont pas dit grand-chose chez Voltec. T60. Juste de m'assurer que tout le monde remplisse bien son formulaire. J'étais censé gagner un jeu de couteau à viande. Ah, un jeu de couteau à viande. Je peux quasiment tout réparer, mais les gens... Ah, j'avais pas remarqué, mais c'est la voix de... C'est la VF... Ah pardon, 8T, excusez-moi, je me suis trompé de touche. C'était la VF de Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, donc pour ceux qui regardent la télé, qui regardent les informations, sur BFM TV le midi, vous pouvez voir Ronald, je sais pas trop comment il s'appelle. Et c'est le sosie officiel français de Mark Wahlberg. Je sens qu'il pèse lourd. Oh putain. On voit ma place de parking ici. Voilà. Oula, je vais rentrer dans la presse, dans celle qui est derrière moi. Ça va être coton ensuite. La situation commence. C'est pas la pump. Hop là. Il y aurait, vous savez. Je le sens. T51. T60. T60. C'est laquelle que j'ai? C'est quoi que j'ai sur moi? Tenue. T45. Mais je l'ai plus. T51. X01. T45, là voilà. Transfert. Ok. Entrée. Excusez-moi, chers amis. Pourtant, je me soigne. Ah, apparemment, j'ai une jambe qui est dans la merde.
Et je pèse 10 tonnes aussi, apparemment. Bon, ça, ça encore, c'est pas trop grave. Hop. Qu'est-ce qui fait que je pèse aussi lourd? Ah, peut-être la chier d'armure que j'ai. Ah, déjà, avec ça en moins, je sens que je suis plus léger. Ensuite. Au niveau des armes que je transporte. Ça, que je peux poser. Voilà, je suis déjà un peu mieux. Bon, au niveau de toi, fabriquer. Le bras. Donc j'ai pas forgeron en 3 encore. Hein. Bracelet Tesla, ça pourrait être cool. D'accord. Peinture militaire, modèle A. Ça me permet d'augmenter de façon tout simplement ma résistance aux dégâts. Pourquoi pas? Ça devrait nous être utile pour le prochain combat. Ok. Le casque. Capteur de reconnaissance. L'ennemi qui est dans l'ennemi par rapport à la boussole. Superposition de matrice SAV. Augmente les chances de toucher une cible en mode SVAV. Base de données interne augmente l'intelligence. Élimine la radiation de l'eau et les nourritures consommées. ATH de visée. Rang 3 scientifique. Déjà, hop. Tactique rouge, pourquoi pas. Hop. Pareil ici, ça m'intéresse pas. Hop. Alors. Les peintures m'intéressent pas. Augmente la charge maximale. Cerveau moteur cinétique augmente la vitesse de récupération des points d'action pendant les déplacements. Voilà, les dégâts des désatterrissages, voyons. Violent, d'accord. Ça, ça peut être pratique. Modèle A. Donc non, modèle E. Je vais avoir juste ce qu'il faut pour le deuxième, hein. Enfin, pour le plastron, normalement. Parfait. Et j'ai plus d'aluminium. Peinture militaire, donc Stealth Boy, activité, un champ de activité en position accroupie. Ça, ça peut être pratique, ça. Putain. Nommer directement l'état de récupération des points d'action. Purificateur sans moyen de développer une... Protocole d'urgence, cerveau moteur. D'accord, vos points d'action, dynamo cinétique. Détecte les impacts en combat, utilise automatiquement. Ça, c'est pratique. Plaque réactive. Bobine Tesla. D'accord. Et jetpack, on en est encore loin, hein. Bon, on a quand même une putain d'armure maintenant, chers amis. Attendez, est-ce qu'on peut la renommer? On peut pas. Par contre, on peut réparer ce qui a besoin d'être réparé. Alors. Ok. Elle est toute neuve. Et tellement plus résistante maintenant, chers amis. Hop. Ça c'est fait. Crac. Nous voilà partis. On y va les mecs. On a donc une capacité de port de 447. Vous savez quoi ? Depuis notre conversation, je me sens en pleine forme. Si ça c'est pas épique. Un sanctuary, pareil pour l'avenir. Ce sont les miliciens qui vous envoient ? Qu'est-ce que je peux faire ? Non, mais je suis des leurs. Je peux faire quelque chose pour vous aider. On a des ennuis avec un groupe de pillards qui nous volent notre nourriture et notre matériel. Vous pourriez les persuader de nous laisser tranquilles?
Pas d'inquiétude. Ne vous inquiétez pas. Oh, merci. Preston a adoré. Tuer des pillards, carrière Sikhet. Ils sont loin. Bon, ils sont pas très très loin, on va aller les faire vite fait. Hop. Ça devrait se faire facilement avec notre nouvelle armure, chers amis. Je pense que de ce côté-là, on va pas avoir trop de pépins. Hein. Elle doit être assez efficace. Ce qui me ferait plus chier, c'est d'avoir installé un mode qui ne fonctionne pas. Alors ça y est, j'ai vu le premier standalone, vraiment. Tu peux me sortir mon flingue, s'il te plaît ? Oh, reviens, je m'amusais bien, moi. Hop, les. Perds pas la tête! Mais où est-ce que ça tire? Putain, mais elle tire sur Canigou? Mais non, j'ai pas un stealth boy. Canigou, remets-toi, merde! On n'est pas là pour se la couler douce. C'est quoi? Bec benzène, pardon, j'ai pas percuté ce que c'était du tout. Tiens, bouffe. Faut vraiment être lâche pour te chercher. Hop, putain, mais elle est solide. Oh la vache. C'est quoi ça? Touché. Sors de là. Ce sera rapide. Touché. Par contre, c'est un peu naze de les entendre. Ah oui, d'accord, il y a le caillou juste devant. C'est quoi ça? Il est dans une armure ou c'est moi? On a peur, hein? Non, c'est moi qui vise très très mal. Y a quoi? Hop les. Lui il est dans une armure. Hop les. Fais voir ta gueule. Oh. Allez, joue pas les tirs. Y en a un, il est juste en dessous de nous en fait. La fuite est encore possible. Vous êtes pas obligé de mourir aujourd'hui, hein? T'as fait une connerie, toi. T'as rien compris encore. Ah oui, il y a une chier de monde dans ce truc-là. C'est vrai, j'avais oublié. Merde, je vois plus personne. Quelqu'un approche. Oh ! Et la tête, Alouette. Gentille Alouette. D'où est-ce que tu me tires trop du cul ? Dis-moi juste où tu es. Je te collerai une balle ou deux. Dans la tête. C'était toi? Il y a quelque chose dans les parages. C'était toi. Je sais que t'es là. Je vais te trouver. Bon, bah apparemment non, hein. Ok, ça c'est fait. Je vais pas m'emmerder à les récupérer, chers amis, hein. Juste le bordel qu'il y a par là. Oui, tu me tueras, oui. On y croit. Ça sert à rien de se cacher. Aucun signe. T'as dit quoi? C'est quoi ce bordel? Ah, ça va. Bah alors. Vive la précision. Ah, ça y est. Hop là, j'ai failli tomber dans le trou, je crois.
Ok, c'est pas grave. Bon, alors ça c'est fait. Je voulais le faire avant. Maintenant, nombre de morts. Non. Au niveau moléculaire, oui. Alors, Virgile, où es-tu ? Ah oui, Virgile, tu es dans la mer à la con, là, oui. C'est parti. J'ai bien fait de prendre une armure, remarque. Liquéfier un ennemi lorsqu'il meurt. Ça, j'ai hâte d'en trouver une qui permet de liquéfier un ennemi. Waouh. Enfin, bah ça va, je me... Bah alors, on tombe ? Puis, il est nul, hein, Caniou. Je vais pas te donner un Steam Pack, t'es un robot. Qui est con. Alors. Ah oui, c'est vrai. Snake, moi. Ouais, tu me rappelais pas que t'avais un Protectron. Protéger et servir. Ah, c'est bien ça. Yo, Virgile. Excusez-moi. Je me demandais si je vous reverrai un jour. Alors, vous avez réussi. Et plutôt deux fois qu'une. Je l'ai. J'ai le code. J'aurais dû m'en douter. Ouais. Après tout, vous nous avez bien débarrassé de Kellogg. Éliminer un chasseur, ce n'est pas beaucoup plus difficile. Comment vous avez réussi à la décrypter ? Ne pas répondre. Des amis. Je me suis fait quelques amis dans le Commonwealth. Tant mieux pour vous. C'est pas avec une gueule pareille que je m'en ferai, moi. Moi non plus, je n'ai pas chômé. J'ai fait tout ce que j'ai pu en fouillant dans mes souvenirs et dans toutes les informations que j'ai pu glaner au fil des ans. Et voilà les plans que j'ai pu en tirer. J'ai eu du mal avec ces mains. Elles ne sont pas faites pour du travail de précision. Tu m'étonnes. Vous allez devoir assembler un appareil capable de pirater le signal utilisé par l'Institut pour téléporter ces chasseurs, de manière à ce qu'ils vous téléportent à leur place. Vous savez ce qui est le plus fou ? Cette station de musique classique. Ces ondes servent de signal porteur pour le relais. Toutes les données sont codées en fréquence harmonique. Tout le monde les entend. Je tiens à préciser que ce n'est pas mon rayon. Je travaille en biosciences, pas en ingénierie ni en système avancé. D'accord. En biosciences ? Biosciences ? Système avancé ? De quoi vous parlez ? Ce sont des divisions de l'Institut. Des groupes spécialisés travaillant sur divers projets. D'accord. Vous comprendrez plus tard. Mais si vous pouvez fabriquer cet appareil... et utiliser le code. Vous devriez pouvoir pirater le signal du relais de l'Institut. Vous en êtes capable ? Vous connaissez des gens qui pourront vous aider ? C'est un sacré boulot pour une seule personne, même comme vous. J'ai la situation en main. Tant mieux, parce que vous devez réussir à entrer, pour nous deux. Ah oui, c'est vrai, faut que je te ramène un truc. N'oubliez pas notre corps, hein ? Je vous ai aidé du mieux que j'ai pu. Si vous réussissez à entrer, trouvez le sérum. C'est ma seule chance de redevenir normal. Trouvez-le, je vous en prie. Allez. Comme tu veux. Prenez ça et mettez-vous au travail. Faites le nécessaire. Faites-vous aider par qui vous voulez. Faut que je fasse un choix. Protéger. Tu me demandes de faire un choix. Putain, j'aime pas ça. De toute façon, moi, je vais passer du côté de l'Institut, comme ça, je serai tranquille. Connaissez Kellogg ? Ben, je suis comme lui. Je porte ses fringues, d'ailleurs. Oh là là. Ah, faut que j'aille voir tout le monde. Bon, on va commencer par les rendre à la quête. Ah putain, maintenant, ça va me faire parler aux miliciens. Direction... Diamond City, ça fait longtemps. Quand un appareil est donné dans l'ennemi, c'est la signe que son niveau sensiblement supérieur au vôtre et qu'il sera particulièrement difficile à vaincre. Dans ce genre de cas, il vaut mieux opérer une retraite stratégique et revenir quand vous serez plus fort. Non, on bourre. On bourre jusqu'à ce qu'il n'y a pas d'ennemi plus fort que moi. Point barre. Ouais, ouais, ouais. Votre compteur GGR s'affole aussi. Alors peut-être que ce que je vais faire, c'est faire une petite ellipse, aller lire des descriptifs des commandes, des différentes... comment ça s'appelle ? On va pas dire station, mais différentes factions, pardon. Je vais y arriver. Lire des descriptifs des différentes factions et voir s'il y en a un qui me correspond le plus. Hein ? C'est plus Yvan que d'habitude, c'est moi. Oui ? «
Main touch, buff out, steam pack, jet. C'est plus vivant que d'habitude, hein. Faire du bien. Bien l'armure. L'irradiation aiguë est une affection. Au super salon, trouvez la coupe de cheveux de Morel. On vend de la viande. Ouais, ouais, ouais. Les écorcheurs, c'est ça le vrai danger. Si vous en croisez un, pas la peine de chercher à vous enfuir. Cachez-vous derrière un obstacle solide et priez. Ça, c'est une bonne façon de faire, tiens. Ouais, ouais, ouais. Enlèvement d'enfants. Un père brave les dangers du Commonwealth pour retrouver son fils disparu. Mais c'est moi, ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, je pense que je vais aller lire les différentes factions et voir ensuite ce qu'on peut y faire. Je reviens, chers amis. Hop. Re, chers amis. Alors. Bon. Que dire? Ouais. Offrez-vous une cogneuse. Merci. Pour vous garantir la J'ai victoire. L'impression de Comme... enfin réfléchir clairement. Comme dans beaucoup de jeux, chacune des factions a un idéal très idéaliste. Moi, je suis plus cartésien, un peu plus pragmatique. Donc, j'ai plutôt l'intention, en fait, tout simplement, de construire le mien. De construire mon propre truc moi-même, sans aller voir les autres. Je pense que c'est mieux que d'utiliser absolument une faction. Ce sera peut-être un petit peu plus long, du coup, forcément, parce qu'il faudra, j'imagine, trouver des pièces qui sont assez rares. Voire même faire des quêtes à moitié à la confrérie de l'acier. C'est-à-dire aller chercher cette pièce-là, alors que vous avez déjà vidé l'endroit et que vous l'avez vidé 48 fois parce que telle ou telle chose. Bah là, ce sera un petit peu pareil, je pense. Sauf que... Oh tiens, je sais en plus parce que je vais le mettre sur le... là. Alors. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Je sais pas. Électricité, générateur, connecteur, interrupteur, lumière, électricité divers. C'est pas ça, apparemment. Fabrication. Est-ce que c'est là-dedans? Non. On va retourner voir le truc de quête, alors. Hop. Donner. Voilà. Trouver de l'aide pour construire l'intercepteur de signal. Ben non, moi je veux pas... Justement, non, je... Parler aux miliciens, ouais, non. QG du réseau du rail, c'est pareil, c'est parler au QG du... parler au réseau du rail, j'imagine. Là, c'est aller voir les autres trous du cul. Moi, j'aimerais éviter tout ça. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai raté, tout simplement? Fabrication, magasin, non. Ressources, défense, peut-être défense. Poste de garde, tourelle, piège... Structure, bois, métal, porte, clôture, divers peut-être. Non. Ah, bon bah je vais voir. Ça me fait chier mais je vais voir. Re, chers amis, alors. Bon, il semblerait qu'en fait ça ne se débloque qu'à partir du moment où on va sur le truc. Et normalement j'aurais avoir accès à quelque chose de spécial. Non, même pas. Quelque part, je dois avoir accès à quelque chose de spécial. Oh, ça c'est cool par contre. Des éoliennes, ça peut être très très cool. J'aime ce genre de choses. Produit 3 d'électricité en plus, c'est pas rien. Plaque de pression. D'accord, c'est que des pièges, ça, d'accord. Pourquoi pas. Lumière, ampoule, nanana. M'intéresse pas. Divers, peut-être là-dedans. Non, on a déjà allé voir. On a déjà été voir là-dedans, pardon. Poste de garde, non, on trouvera pas là-dedans. Ressources, peut-être.
d'hiver. Ah. Ok. Ok, magasin, commerce, armure, armes, animation, animation, clinique, vêtements. D'accord, j'ai pas le niveau qu'il faut. Fabrication. Alors, il y a quelque chose que je dois mal faire. Des tyrans, il y en aura toujours. Mais si j'ai mon mot à dire, il y en aura beaucoup moins. Ou alors c'est parce que je porte une armure assistée, peut-être ? Apparemment non, hein. Gah ! Essayez de pas vous couper un doigt. Ça, votre boulot officiel ? Ah oui, c'est vrai, on a la Gatling laser aussi, tiens. La plupart des gens survivent pas à la première journée avec moi. Là, vous m'épatez. Ok. Oui, non, je me doute. Canon standard, canon à chargement. Waouh. Elle a une moins bonne cadence de tir. Oh, ça fait pou. Ah, ça peut être stylé aussi. Viseur laser, non. Sans bouche. Ouh. Si vous voulez faire une stylé. Pause dope. Falloir qu'on améliore ça quand on aura le niveau, chers amis. Par contre, oui, donc vous savez quoi, ça m'aide pas des masses. Session, je me sens en pleine forme. Il m'a pas passé un truc avec des plans divers. Rien, donner de la piste de chasseur, dossier, enregistrement de la guerre, facture, figurine, gorge à peine grognac, guide de survie, histoire de dormir debout, le band dédié, la bande de la fugitive, le monde de champ de bataille, instruction du hollandais, inventaire des trésors, invitation d'Adrian, jeton de métro, journal d'Edwin, journal personnel du technicien, la vérité synthétique, les messages des étrangers, les increvables, les trésors, lettres déchirées, manœuvre d'opération, maquette d'Aibot, hop. Maquette de robot style. Mot de passe, dernier le pressé. Mot de passe. Plan de l'intercepteur de signal. Donc je les ai. Donc j'ai le plan. Nous deux, à Sanctuary. Vous ne pouvez pas équiper cet objet. Il doit bien être quelque part. Non, ou alors je loupe. Tourelle à missile, bah oui, bien sûr. Électricité. Divers, ça devrait être là-dedans, non? Oh bah je vais voir, hein. Je retourne voir, chers amis. Ça m'énerve. Re, chers amis, alors, après des dizaines de minutes à chercher, je semblerait que si je vais voir Sturges... Il me manque tellement. Ils m'ont pas dit grand chose chez Voltaire. Si je vais le voir, normalement, il va me le débloquer sans que ça parle des miliciens. Ça normalement ça va être Preston, non? Pas la lune, juste une bouteille de whisky et une bonne bagarre. Exact, c'est Preston. Hop. C'est qui là-bas? Monsieur Marcus. Bonjour monsieur.
vous dérange pas. Ah. Vous leur avez réglé leur compte à ces pillards ? Ah oui, je m'en suis occupé. Je vous ai débarrassé de ces pillards. Vraiment ? Ah, c'est le genre de nouvelles que j'aimerais entendre plus souvent. De rien. C'est quand on se croit en sécurité qu'on est le plus vulnérable. Et c'est à ce moment-là qu'ils attaquent. Une goule entre dans un bar. Oui. Le barman lui dit « Pas de goule ici ». La goule lui répond « Pas de problème. Votre chair humaine est fraîche ?» La situation commence. J'ai pas compris la blague. Vous savez. Je le sens. Putain, mais où est-ce qu'il est ? C'est pas sur les chiottes ? Je suis supposé avoir un copain dans le coin. La chose qui est mieux que la picole, c'est la baston. T'es pas d'accord ? Ouais, ouais. Si tu le dis. If you say so. Je me demande si les données que je rassemble serviront un jour à quelque chose. Oh putain, elle est tellement triste. Tiens, bah tu sais quoi ? Moi, monsieur ? Ouais, ouais, j'ai besoin de toi. Nick, tu dégages. Je vais dégager Nick. Je me demande ce qu'il s'est passé ailleurs. Est-ce la même situation que le Commonwealth ? On avancerait peut-être plus vite si tu regardais devant toi au lieu de mater mon cul. What ? Un flingue chargé et des capsules plein les poches. Ça, c'est la grande vie. Bon, alors où qu'il est coulé, lui ? Ah putain, il a senti que j'allais le virer ! Les gens s'amusent à pourrir la vie de ceux qui cherchent tout simplement à survivre. Il a senti que j'allais le virer, il s'est barré. Le sac. Il l'a senti. Nick. Ça y est, le v'là. Regardez ça. Regardez ça comme il se planque dans les fourrés. Nick. Parlez. Nick, on reprend la route. Pas maintenant. Je reste dans le coin. Oui, donc là, faut que je retrouve. Oh putain. Un instant. Voilà, chers amis, putain, j'en ai chié, hein. Faut dire qu'en fait, ça s'est passé sur un truc. Ça s'est passé sur une putain de majuscule. Ça fait 20 minutes que j'y suis pour une putain de majuscule à Nick. Vous avez une drogue préférée ? Nom de Dieu. Parce que moi, c'est les Mentats. Oh ! Ça me donne l'impression d'être un intello. Serviront un jour à quelque chose. Donc, faut qu'on trouve Sturgess. Qui, bizarrement, a quitté... Alors, on se Sanctuary, hein. Parce que bizarrement, normalement, c'est comme ça qu'il est habillé, plus ou moins. J'aurais dû en faire plus. J'espère que ces pillards. Je ne le trouve pas. Pour ce qu'ils ont fait. Vous savez quoi ? Depuis notre conversation. Ah bah oui, mais je suis con, il est plus là. Il est au château. Le château, deux personnes. Bah oui, je le cherche au mauvais endroit, j'ai pas l'air d'un con. Utilisez un établi d'armes pour apporter des modifications utiles à la plupart de vos armes. Oui, ça je sais bien depuis le début du jeu quand même, merde. Je suis quand même niveau 39. Hein. Bon, du coup, on se balade avec Curie, ce qui fait bah, une... J'allais dire une femme, mais non. Hein. On aurait pu faire prendre Mr. Andy en même temps. C'est peut-être un petit peu trop d'autres. Oh, t'es gentil en fait. Je t'aime bien. Échantillon récolté. Je pense que c'est composé de viande partiellement digérée et d'autres matières organiques. Ok, si tu le dis. Ronnie Shaw. C'est lui ? Je reconnais pas de loin. On dirait pas. Bah merde ! Attention ! Faites quelque chose ! Qu'est-ce qui se passe ? Milicien ? Ah oui, c'est à cause d'eux. Mais Sturgess, il est où ? Merde ! Putain, mais j'en ai ras-le-bol de faire des ellipses, de chercher partout et de pas le trouver. Putain ! Non, charge ! Elles sont quand même toutes moches, hein.
Bon, enfin bon. Allez. Il fait jour. Il est sur le point de faire jour. Peut-être qu'il va venir bosser alors. J'espère qu'il est pas dans un mur ou n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous fait croire que je veux vous parler? Ah bah j'en sais rien, moi je... Il y a une Brahmine dans la... C'est pas toi que je veux l'autre! Le vrai mécano, le vrai bonhomme, l'homme, le seul, l'unique. Nick, tu fais chier. Yo. Ce sont les miliciens qui vous envoient? Je suis pas dispo. Je me demande ce qu'il s'est passé ailleurs. Est-ce la même situation que le Commonwealth? Est-ce meilleur ou pire? Pire. C'est forcément pire. Putain, non, c'est pas lui. Salut, putain. Mon pote. Vous. Mais où est Sturges? Sturge. Vous savez quoi? Le mec cool, le seul mec cool de tout le bâtiment. En pleine forme. Nous deux, à Sanctuary, parés pour l'avenir. Il est pas chez moi? Putain, s'il est chez moi, ça va chier. L'humanité a une telle volonté de vivre quoi qu'il arrive. Il est de notre devoir à tous d'œuvrer pour sa survie. Apparemment, il est pas chez moi. Par contre, t'es grosse, Curry. Sans vouloir te vexer, hein. Enfin, peut-être un petit peu, mais sans trop vouloir te vexer, alors. Ah, mais c'est pas possible! Mais où est-ce que t'es, bordel? Je me doutais qu'il allait être difficile à trouver, mais à ce point-là... Wow, Cutsworth, tu me fous les boules. Heureux de vous revoir, monsieur. J'espère que vous avez réussi. Ça me dérange pas de marcher un peu, mais il faut qu'il y ait une récompense au bout. Des tyrans, il y en aura toujours. Hancock. Mais si j'ai mon mot à dire, il y en aura beaucoup moins. Ça, c'est stylé. Jin Lung. Ils m'ont pas dit grand-chose chez Voltaire. Putain, mais j'espère qu'il est pas mort. Juste de m'assurer que tout le monde remplisse bien son formulaire. J'étais censé gagner un jeu de couteau. Ok, là, ça commence à être long, la recherche. Genre vraiment long. Bon, bah, je vais essayer de le TP ici. On verra bien. Ça y est, j'ai réussi. Wouh! Yo! On pourrait échanger quelques trucs. La plupart. Mais non, mais c'est pas ça que t'étais censé faire! Gaaaaah! Les gens sont doués pour casser des trucs. Moi, j'aime bien les réparer. J'aimerais échanger des objets. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Marcy peut sembler froide. Non, même ça, c'est pas bon. Ne prenez pas personnel. C'est sa manière de gérer la mort. Normalement, il devrait y avoir une catégorie spéciale juste à côté de celle-ci. Il n'y en a pas. Eh ben écoutez, je vais aller parler à Preston. La plupart des gens survivent pas à la première journée avec moi. Parce que c'est trouver de l'aide, hein. C'est ça, hein, la quête. Trouver de l'aide, eh ben j'aurais pas envie. Hein. Putain. Là, vous m'épatez. Bah, les miliciens, allez, c'est parti. Dépêchons. C'est ce qui me manque. Tout ça pour ça, putain, ça me saoule. J'ai pas envie de choisir. Normalement, on devrait pouvoir avoir le choix, hein, de ne pas choisir. On est dans un RPG, hein, on devrait avoir un maximum de possibilités à notre disposition. Yo. De quoi avez-vous besoin, général? J'ai des plans pour fabriquer un intercepteur de signal qui me fera entrer dans l'Institut. L'Institut? Vous êtes dingue. Pourquoi vous leur cherchez des histoires? Parce que... Ça n'a aucune importance. Je veux juste savoir si vous pouvez m'aider. On vous aidera autant qu'on peut. Ne vous en faites pas. En admettant qu'on puisse fabriquer ce truc... Qu'est-ce ah oui, on voit le mode pour les yeux. Regardez, ils sont stylés. Hein. D'abord, le relais moléculaire. Vous savez que l'Institut a un téléporteur? Un téléporteur? Si quelqu'un peut tirer quelque chose de ses plans, c'est Sturges.
J'ai encore rien trouvé qu'ils ne soient pas capables de fabriquer ou de réparer. Cool. Eh ben, on va aller voir lui, pardon. Du coup, est-ce que je peux pas te re-téléporter? Non, c'est bon. T'es là. Il doit être buggé parce que vous voyez, il bouge plus. Hey. Preston m'a dit que vous pourriez peut-être tirer quelque chose de ses plans. Oui, bien sûr. Faites-moi voir. Tiens, vas-y. Je veux savoir si vous pouvez fabriquer cet engin. Ah, c'est sacrément brouillon, votre truc. On dirait des transmissions radioélectriques cryptées. Ouais. Ça passe par... Hein ? La téléportation ? C'est complètement dingue. C'est pas des conneries. Vous pouvez le construire ou pas ? Je tiens ça de quelqu'un qui sait manifestement de quoi il parle. Vous pouvez le fabriquer ou pas ? Eh bien... Oui, oui, je pense. Je pense. Bref, ces types ne pensent jamais aux réalités de la fabrication pour faire fonctionner quelque chose, mais... Là, on dirait qu'il y est tout. Parfait. Je vais avoir besoin d'un peu de temps pour étudier tout ça. L'écriture est pas facile à... Vous pouvez déjà commencer par fabriquer ce qu'il a... Ok, c'est cool. ...du métal de qualité supérieure. À part ça, c'est pas plus compliqué qu'une paroi de moteur d'avion ou quelque chose du genre. Je viens de penser à un truc. Beau travail. Beau travail, Sturge. Ne me remerciez pas encore. Je crois que j'ai... Je vais essayer de le voler. J'ai encore du boulot pour comprendre les détails de certaines parties bien merdiques. Voilà tout ce qu'il nous faut pour la première partie. Vous devriez trouver ça à Sanctuary, si vous voulez la fabriquer là-bas. Pendant ce temps, je vais tâcher de comprendre comment fabriquer les autres pièces de ce machin. Ah, okay. Autre chose. Ce truc va avoir besoin d'une sacrée quantité d'énergie. On verra à la fin. Si vous aviez un réacteur nucléaire sous la main, ça pourrait être pratique. Du reste, c'est une énorme machine. Il va falloir la construire quelque part à ciel ouvert, avec une grosse source d'énergie à disposition. Oui, alors attends. Oh non ! T'es involable ? Putain ! Ah, ça me saoule. Franchement, les amis, ça me saoule. Et là, elle est débloquée ? Voilà. Spécial, wouhou. Aluminium, câblage, acier. Parfait, j'ai tout ça. Crac. Parlez à Sturges. Ok. De données sur le monde. Alors, vous avez trouvé un endroit pour construire l'intercepteur ? Ouais, à 20 mètres de toi. Oui. Oui, je peux passer à la suite. Parfait. De mon côté, je crois que j'ai pigé l'essentiel de ce foutoir. Enfin, on le saura vraiment quand on essaiera de le construire. Tenez, voilà trois choses qui risquent d'être plus difficiles à trouver. Le reste ne devrait pas me poser de problème. Je vous retrouverai sur le site de montage. On verra si on arrive à faire fonctionner cet engin. Si tu veux. Construisez la console, construisez l'antenne, construisez l'émetteur de rayon. Ah bah oui, merci. Merci, Sturges. Je m'y mets tout de suite. Génial. Il y a une chose dont vous devez vous souvenir. Tous les éléments doivent être branchés les uns. On se retrouve sur le site. Donc. Spécial. Ok. C'est toujours pas résolu ce problème, ça me saoule aussi. Scanner biométrique, j'en avais sur moi, c'est cool. On va le mettre. Ah, je peux le mettre carrément dedans, bah c'est cool. Ok. Ceci. Bah, j'ai tout ce qu'il faut en fait. Merde, Crudy, je suis tombé. Ok. Et l'interface m'a lâché. C'est génial. Et je peux plus construire. L'humanité a subi un triste déclin depuis les bombes. Je peux plus le construire.
Ah, c'est génial. C'est absolument génial. Ah si, ça y est. Pardon, c'est moi qui raconte des conneries. Est-ce que je peux le poser autour? Voilà. Hop, est-ce que ça... Alors, j'aimerais récupérer le PC. Ah putain! Sturgey, tu te casses! En place, il faudra brancher l'ensemble des composants sur le même réseau électrique. Ça ne risque pas de marcher sans électricité. Sturgess. Vous avez besoin d'aide pour l'intercepteur de signal? Non. Pas maintenant. Tu peux te pousser. Putain, mais il est chiant. Bah non, j'ai tout bougé du coup. C'est parce qu'il y a Curie devant moi, c'est ça? Oui. Oh putain. Elle cherche la merde. Oh nom de Dieu. Curie, je t'apprécie pour l'instant. Alors t'as, je vais ne pas finir comme les deux autres. Oh bah ça s'y met tout seul en fait. Non, mais qu'il est con. Bon, c'est pas grave, j'ai le matos. Si seulement je pouvais... Mais elle est construite, la console ! Qu'est-ce qui me chie ? Il est difficile de déterminer si... Rassure-moi ! Elle est construite, la console ! La surface est plus ou moins sujette aux épidémies. Qu'est-ce qui se passe ? Mais il serait sage... Tu peux te casser ? Sir Jess. Vous avez besoin d'aide ? Bon, attendez, je vais essayer autre chose. Hop. Normalement, sale TP, et là... Aha ! Donc apparemment, faut que je la reconstruise. Voilà, non, surtout pas la stocker. C'est tant que je la construis pas, que j'ai beau la poser, la machine, ça marchera pas. Ok, et donc il me faut ça. Je suis pas censé pouvoir le poser au-dessus, normalement. Pas par au-dessus que ça marche? Dommage. J'aurais apprécié. Ok. Voilà. Et maintenant il nous faut de l'énergie, c'est ça? Nécessite. Oh la vache! 20! 5! Et 1! Oh la gueule! Ah oui, quand il a dit une centrale nucléaire, il rigolait pas en fait. Je peux en construire que un. Pourquoi que un? Ah, il manque de l'alu. Nom de Dieu. Il va me falloir de l'aluminium, quoi. T'en fais un. Par contre, il va falloir que je le déplace, parce qu'à chaque fois... Hop. Alors. OK. Donc le câble va là, va là.
Voilà. Donc on n'a pas ce qu'il faut, il nous faut encore de l'aluminium. Pouah ! De l'aluminium. Bon. Bon bah écoutez, c'est ce qu'on va faire dans le prochain épisode, chers amis. Alors on va aller chercher l'aluminium. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé cet épisode catastrophique. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, dont vous trouverez le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire Gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert Fallout. Aussi Mad Max. Permettez-moi d'observer et d'analyser un maximum de formes de vie indigènes. Dans un but scientifique, bien évidemment. Star Wars Battlefront. Mais aussi The ABC Murders, donc le prochain jeu qui arrivera sur la chaîne, donc le 15, ou qui est déjà arrivé pour vous. Je pense qu'il sera déjà arrivé pour vous quand vous aurez vu cette vidéo. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo une fois de plus. Mais il serait sage de se préparer à toute éventualité. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure quand Curie continuera à nous emmerder. Salut les gens! Je sais pas si je vais la laisser longtemps avec nous, celle-là.